2015, l'année du centenaire du génocide des Arméniens s'ouvre sur un événement dont beaucoup rêvaient sans trop y croire. Un film traitant de cette histoire sort en effet dans les salles en France après avoir été déjà projeté en Turquie. Et, symbole encore plus fort, ce film est l'œuvre d'un réalisateur turc qui signe là une œuvre puissante à tout point de vue par l'histoire qu'elle raconte et la place qu'elle offre aux événements de 1915 sur la scène internationale. Ce film, c'est The Cut, et le réalisateur, c'est Fatih Akin, dont les précédentes réalisations ont été récompensées par de nombreux prix, et qui nous fait l'immense plaisir d'être aujourd'hui l'invité de notre émission Carte sur table. Fatih Akin, bonjour. Allô. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin, à quelques jours donc de la sortie de votre film en salle, c'est-à-dire mercredi prochain, 14 janvier. Thank you for being here a few days before your screening of this film, the 14th of January, in the French movie theaters. Alors, comme vous venez de l'entendre, Martin Caprelian assurera la traduction pendant toute cette émission, car Fatih Akin ne parle pas français, donc nous vous traduirons au fur et à mesure les différentes questions et bien sûr vos réponses que l'on attend avec impatience. Également avec nous dans les studios d'Hype FM, l'un des acteurs du film et non des moindres, puisqu'il s'agit de Simon Abkarian, bonjour. Un grand merci aussi d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce film, de Cut, et au cours de l'émission, nous serons en ligne avec le producteur français du film, Francis Bosslug. Alors la question qui vient bien sûr à l'esprit en premier, Fatih Akin, c'est Pourquoi vous, Fatih Akin, né en Allemagne dans une famille d'émigrés turcs, vous avez choisi de vous lancer dans une réalisation dont la trame de fond est le génocide des Arméniens? So the first question is that we have in mind, it's why? Why you, Fatih Akin, born in Germany from a Turkish family, immigrants in Germany, you have chosen to make this film whose background is the history of the Armenian genocide. As a filmmaker, I am always interested in stories which are not known so much, you know, new material I'm always looking for, material where people are afraid to talk about, you know, especially my motherland, you know, material which deals with taboos, which I can break, you know, new aspects, new angles on issues people in the world doesn't know so much. So the Armenian genocide I discovered over the years is something where many, many people don't have any information about it. And I'm not just talking about people in Turkey, you know, also in Germany and wherever I travel, you know, it's a very unknown subject. And I thought it valuable, you know, to bring this to the screen and try to spread an information or inspire the audience to get information about the matters of 1915. Alors, j'ai toujours été intéressé par des histoires pas très connues. J'ai cherché des matières où les gens ont peur de s'exprimer. Il y a des tabous, il y a des aspects nouveaux. Et j'ai découvert il y a quelques années l'histoire du génocide arménien, une histoire que les gens ne connaissent pas, même en dehors de la Turquie. Il ne s'agit pas que de la connaissance en Turquie même, et cela méritait à mes yeux d'être répandu. Alors, vous disiez un sujet qui fait peur, des sujets tabous. Pour vous, né en Allemagne,
Il était facile d'avoir accès aux documents nécessaires à la préparation de ce film. Comment vous avez travaillé? Vers qui vous vous êtes tourné en premier? You were saying this is a tough question. You who live in Germany, was it easy to have some archives, some materials about this history? Whom did you get to see first to start working on this issue? I mean, since I heard about the Armenian genocide for the very first time, that must be when I have been 16. I'm 42 now, you know, but that was, I think, in the beginning of the 90s or end of the 80s, in the school time when I heard about it, and I couldn't believe it. And I asked my family about it, and they give me the official version, the official Turkish version of the events. But I realized very quick that there is a fear about this discussion. There was a fear about this question. There was a hysterical atmosphere and a danger. And whenever something is dangerous or forbidden, I start to get curious. That's my personality. So I informed myself more about it. I tried to read everything from everywhere about that matter. I read Franz Werfel's book, the novel The 40 Days of Musada. That was, I think, the first. That was the key material. I read a lot of writings by Taner Akşam, especially later on. I read the material from the Foreign Ministry Affairs of Germany, the archives, published by Wolfgang Gust. You know, I also read a lot of denial material by Bernard Lewis, Günter Levy. I also have read these angles, and I made my own opinion about these things. La première fois, c'était à l'âge de 16 ans quand j'ai découvert cette histoire. Je n'y croyais pas moi-même et j'ai posé la question à ma famille et ma famille m'a donné la version turque, la version officielle. Alors il y avait de la peur, il y avait une hystérie, il y avait un sentiment de danger et moi j'aime ça quand il y a un danger. J'aime bien porter cette question quand je sens le facteur danger. Alors j'ai commencé à m'intéresser et j'ai commencé par la lecture des 40 jours de Moussadar. J'ai lu les œuvres de Taner Akşam, de Wolfgang Gust, les archives allemandes mises en avant par Wolfgang Gust en Allemagne, mais également les œuvres des négateurs comme Bernard Lewis. Donc petit à petit, je me suis intéressé. Et alors vous vous êtes fait votre propre opinion. Ça signifie donc que quand on a accès au savoir, quand on connaît, on découvre cette réalité du génocide, on comprend que la politique de l'État turc est une politique négationniste, qu'il n'y a pas de place pour réfléchir que la vérité, elle est là. Il y a eu génocide en 1915. You had your own, you made your own opinion about this issue because you had the possibility to reach materials about the true history. So, what about denialism in Turkey? Is there still any place for denialists when all this material is accessible to everybody? It was not just the books that I have read about the material. I also traveled a lot in Turkey. And when you go to the countryside in Turkey, to Anatolia, you know, and you ask elderly people about 1915, everybody has a story. And nobody is denying the fact, all these killings and massacres, you know, everybody at the countryside see aware of that. So that was somehow, it was a more important or confirming a truth or proof for the events than just all the books, because you read a book, but a book has not, you know, a person you talk to has another emotional level of communication, you know. So that emotion really somehow touched me, you know, so and made me, yeah, believe in what is right and what is wrong. About the, because these sources are there and everybody has an uncle or a grandfather or a story, you know, through that film I realized in the reactions of Turkey, it's not just people see a new angle, it's like an angle comes out which they already have been knowing, but forget that they know it. You see what I mean? C'est pas seulement les lectures, les livres qui m'ont aidé. J'ai beaucoup voyagé, surtout aussi en Anatolie.
Et là, chacun avait conscience d'une réalité donc réelle du génocide. C'était plus important que les livres pour moi parce que, à cause de l'émotion également qui a été transmise, donc j'ai compris ce que c'était la différence entre le vrai et le faux par rapport à cette histoire. Et ce que je peux dire, c'est que les Turcs aujourd'hui, à travers ce livre, ils ne découvrent pas une histoire, mais à travers ce film, bien sûr, ne découvrent pas une histoire, mais revoient ce qu'ils avaient dans leur subconscient par rapport à cette réalité historique. Oui, donc la vérité, l'histoire du génocide des Arméniens, elle est présente. C'est ça que vous voulez nous dire, en fait, les recherches que vous avez menées vous conduisent à dire aujourd'hui qu'il n'est pas possible, quand on interroge la population, ça transpire. Les pierres parlent, les hommes parlent, et l'histoire de 1915, elle est là. Il suffit juste de regarder autour de soi pour comprendre ce qui s'est passé en 1915. You mean that there is a reality on the earth. In other way, I can say the stones, the spirit of the genocide is everything is here to remind that this reality is not a fake one. There is another acceptance when you speak with people who from the countryside who had survived these things or were witnesses of these things, or their parents were witnesses, you know. They lead you to, I don't know, an old barn, but when you look closer, you see the old church. You know, I said, this was an Armenian church, and, you know, they speak about it. So, yeah, there is a truth, you know. And I think there is a certain erasing of denialism, you know. And it's not a big movement which goes with huge steps. The assassination of Fulan Thing was very important here 7 years ago, you know. 7 years ago, all the Armenian genocide, the term of genocide was, you know, that was a real taboo. When 7 years ago, I decided to do this film, you know. If the film had would come 7 years ago out in Turkey, I would have much more trouble than today. Today I had no trouble. You know, I had no trouble, very minimum, you know. I some fascist make some noise, you know. The people, the folk is not very amused about the film. You know, I was a very popular and favorite person before the film, and I'm afraid I'm not anymore after the film. But from the state, you know, from the government, from the officials, I didn't get any problems like a persecution or stuff like this. You know, the film was in the cinemas. You know? Oui, on va y revenir. Alors, je vous laisse traduire Vartan. Oui. Alors, les gens qui sont témoins ou leurs parents qui ont été témoins du génocide parlent de ça. Ils vous amènent aujourd'hui vers des lieux. Il y a une église arménienne. Il y a quelque chose qui rappelle un peu la présence des Arméniens ici. Mais la négation s'efface petit à petit. Et je peux vous dire que il y a 7 ans, quand j'ai commencé à penser à ce projet, les choses étaient plus difficiles. C'était encore un tabou à l'époque. Aujourd'hui, j'ai peu de problèmes. Évidemment, il y a quelques fascistes qui me posent quelques problèmes, qui font un peu de bruit. Mais j'étais, c'est vrai que j'étais très plus apprécié avant ce film. Aujourd'hui, je le suis moins en Turquie. Il y a ce côté négatif vis-à-vis de moi. Mais en tout cas, l'État ne m'a pas harcelé, ne m'a pas posé de vrais problèmes en tant que tel. Alors, vous avez donc effectué des recherches pendant plus de 5 ans pour écrire ce scénario. Et vous avez choisi de vous concentrer sur l'histoire d'un père, donc pour quand même donner la trame de ce film en quelques mots. Il s'agit d'un père séparé de sa famille en 1915 et qui, après avoir survécu aux sévices infligés par les soldats turcs, découvre que ses filles ont également survécu et il se lance à leur recherche. Donc en fait, ce film, c'est avant tout le périple d'un père, un voyage intérieur, mais aussi à la surface de la terre. Et pendant que vous prépariez ce film, quel était votre état d'esprit, Fethiye Akın? Donc je vais laisser Vartan traduire. You have worked almost 5 years to prepare this film. It's a film about the torture of an Armenian guy who discovers that his daughters are still alive. So it's the history of a trip of this father. So what was your spirit during your work for preparing this film? Et comment avoir choisi de
de choisir ce thème du père qui part à la recherche de ses filles. Avec les recherches que vous avez menées, comment vous avez choisi ce personnage central, cette histoire centrale? Why and how did you arrive to choose this figure, the father, as the central element of the film, of the story? I'm a scriptwriter and I'm a filmmaker, and I always try to consider things in this category. This is my job, you know. And one of the first questions you ask yourself when you decide to go on a new material is like, what is the story? You know, what is it about? You know, who is the hero? And I was looking for a very simple everybody's man story, you know, like, I would have this working class guy, you know, from Mardin, you know, and he has this family and he has these daughters, and he survived this catastrophe and finds out that his daughters are still alive. So he's looking for his daughters. So that was my angle. Whatever I see in the film about 1915, 16, 17, you know, and until 1923, whatever I'm going to see or show the audience, I will show it to the angle of this guy. You know, if I wouldn't have made that decision, I still would work on the film somehow, because the Armenian Genocide is a very complex thing. It has a very long history. You know, to understand that, you know, it would need why it happened and how it happened and all that stuff. It would need another angle. Maybe it should have been a documentary in that case. You know, but I was more interested in the classical story, you know, because I think humans, the people, understand, I don't know, situations, things, the best in the story. C'est mon travail de trouver une méthodologie pour se poser la question, la première question, par quoi je commence, et voilà, j'avais le père, une famille, les filles, et puis la recherche de ces filles perdu, retrouvé plus tard. Donc, pour retracer l'histoire de ce génocide des années 1915 à 1917, et pourquoi pas jusqu'en 1923, tout doit passer à travers cette figure que j'ai créée dans le film pour raconter l'histoire de l'histoire réelle. Alors, comprendre le génocide, c'est trop vaste. Pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Pour cela, c'est un autre travail qui est demandé, peut-être un documentaire. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est mon approche pour mettre en avant cette histoire. Alors, malgré tout, Fethiye Akın, ce film, la trame de fond, c'est le génocide, ce sont les événements de 1915. Alors, est-ce que vous aviez le sentiment de prendre part d'une façon ou d'une autre au combat pour la reconnaissance du génocide? Est-ce que, en d'autres termes, vous avez l'impression d'avoir fait quand même un film politique? In spite of everything, the background of this film is the Armenian Genocide. Is it a way for you to take part of this campaign of recognition of the Armenian Genocide? Is it for you a political film? I think it is a political film, and it's not a political film. I try to do the film as non-political as possible, in the including of the film, in the hero and his quest, you know, in the story. I try to avoid any political attitudes. I think this would have disturbed the streaming of the story, you know. But because of the delicate and sensitive matter of the background of the film, which is the Armenian Genocide, which is the background, automatically it provocates in the media political discussion. That makes the film political. The discussion about the film, the talkings about the film, not what is included in the film itself. So that's it's a very interesting experiment, you know, to try to be so non-political as possible in the film, but all the discussions, all the interviews about the film I give, you know, not each was just about the film, not each was just about the camera or the music or the editing or the acting. It always turned into political questions. Je crois que c'est politique et à la fois ça ne l'est pas. J'essaie moi-même de
dépolitisé, car la politisation du film pourrait perturber justement le travail artistique et créatif. Mais le fond reste politique, c'est pourquoi dans toutes les interviews, personne ne me parle de caméra, d'acteur, de son, de musique, d'autres choses. On me parle que des histoires, de la question centrale qui est pour les autres, la question politique. Mais vous vous y attendiez, you were expecting this. Yes, yes, I expect this. I expect this, and I prepared myself for this, and in a way, it was one of the purposes of the film to create that discussion. Malgré tout, you know, but in the film itself, I always try to keep it safe or innocent, you know, maybe too much. I learned a lot with this film, you know, doing it. You know, it's a very important film for me, but it's like. What is it to be political? Political means I have an opinion about something and automatically an anti-opinion appears, automatically. This is what politics is. You know, so as a filmmaker, I try to reach everybody or so many people as possible. I don't want to have this position and keep automatically another position out. That's why I refuse to make the film as a political film. You know, but the story and the background and the talking about the film is political, yes. Alors oui, je m'attendais à ça et je me suis préparé à cela. Je savais qu'on était en train de déclencher une discussion sur un sujet très important. Alors, politique pour moi signifie que j'apporte une opinion. Et quand il y a une opinion, il y a une contre-opinion. Alors que moi, ici, j'ai évité la contre-opinion. Je suis en train de présenter un sujet à un large public. Qui est destiné à toucher tout le monde. Hein, pour qu'il y ait effectivement une portée universelle, pour que le film soit présent dans les esprits, pour pouvoir justement aider cette reconnaissance. Parce que si vous arrivez à toucher le plus grand public possible, vous contribuez aussi à la connaissance et donc à la reconnaissance. You are, with this film, you are reaching a very wide number of people through the world. And though you are helping for in the recognition of the Armenian genocide by doing so. This is what appears, you know, this is what shows up, and this is where certain people, group, ethnic groups, can definitely benefit on it, you know. It's okay with me. But it's also a film made... As a Turkish person, you know, I have a certain responsibility. I have a certain responsibility for the society in Turkey, you know. I have a certain responsibility for the past, you know, what had happened. And the past is the present. So I'm a responsible artist, you can say. And it's also made for, for people in Turkey. Alors c'est ce qui apparaît effectivement dans ce film. Ça apporte un bénéfice à certains groupes ethniques, mais d'autre côté, moi j'ai une responsabilité. Je suis dans ce sens-là, je suis un artiste engagé, car j'ai une responsabilité vis-à-vis de la société turque et j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Et qui dit histoire dit présent. Un artiste responsable et non pas politique. Et ça, c'est important de faire la différence. Alors. Je l'annonçais au début de cette émission et nos auditeurs ont pu l'entendre et le voir. Simon Abkarian est avec nous, donc je vous donne enfin la parole, Simon. Très bien, j'aime bien écouter. Alors, vous tenez le rôle de l'un des compagnons d'infortune du héros Nazareth, un autre Arménien survivant. Pour vous, Simon Abkarian, qu'est-ce que ça a représenté de tourner dans ce film de Cut? On imagine que pour un comédien arménien. Bon, moi, je connais D'abord, moi, je m'approche pas de l'affaire comme ça. C'est-à-dire que je connais le travail de Fatih. Mm-hmm. Et la première chose qui m'a interpellé, c'est son travail. Moi, je suis un artiste. Oui, donc travailler avec lui, c'est déjà pour vous ce qui vous a motivé. Voilà. Et parce qu'on m'a proposé de faire des. J'ai reçu d'ailleurs un scénario envoyé par des producteurs turcs qui étaient écrits en Turquie et j'ai pas donné suite. Oui. Donc c'est pas parce que tout d'un coup il y a un Turc qui fait un film sur un génocide qui va m'inciter à aller travailler avec cet artiste en question. Moi, ce qui m'a interpellé, d'abord c'est son travail, et ensuite le scénario.
Et j'ai trouvé que le scénario est un très beau scénario, très très intelligent. Justement, quand Fatih parle d'innocence, j'ai trouvé ça, c'est ça le tour de force de ce scénario, c'est que tout d'un coup raconter quelque chose d'extrêmement brutal pour ce qui nous concerne, nous d'abord en premier chef, mais aussi quelque chose à rebours aussi pour les Turcs. Cette brutalité se leur revient aussi au visage. Mais ce qui m'a interpellé en premier, moi, c'est l'histoire, c'est le scénario. Alors l'innocence, pour vous, elle est où dans cette histoire? L'innocence dans la démarche de ce père qui c'est pas la démarche, c'est sa quête. L'innocence, c'est justement de retrouver ce qu'il croyait perdu. Et c'est ça qui est très beau. Et ce que je trouvais très très fort dans l'histoire. Après, je vais pas dévoiler le film, non. Mais c'est que tout d'un coup, c'est ce personnage-là perd l'usage de sa parole et la retrouve au moment fatidique du film. Et je trouve ça extraordinaire parce que nous avons été assez nombreux à la perdre la parole. Et c'est par des actes comme ça que nous la retrouvons, la parole. Alors évidemment, c'est symbolique. Mais c'est un artiste d'abord, Fatih Akin. Oui, si c'est un artiste. Non, mais il faut que ce soit clair pour moi. Oui. Et pour nous tous, c'est que moi, les artistes, qu'ils soient turcs, africains, chinois, juifs ou français, sont mes amis. Les artistes. Ceux qui se sentent responsables. C'est ce qu'il a dit. C'est un artiste responsable. Donc ça, Fatih, c'est mon ami, quelque part. Voilà. Ah, effectivement, cette démarche artistique, c'est avant tout ce qui vous motive, vous, en tant que comédien. Ensuite, jouer dans un film comme celui-là, ce n'est pas la même chose que pour un autre comédien, peut-être, qui aurait bien joué sûr, un autre rôle. Bien sûr, symboliquement, aussi, ça. Voilà, symboliquement, la portée de votre contribution à ce film, qui est un film majeur en cette année 2015. C'est un film majeur d'un point de vue artistique et d'un point de vue... Moi, je trouve que... De l'histoire, on peut le dire, de l'histoire sans être trop grandiloquent. Bien sûr que de l'histoire. Bien sûr, de l'histoire. Mais je pense que il ne faut pas faire peser sur les épaules de Fatih tout le poids de l'histoire. Il a fait un film et il faudra en faire encore beaucoup d'autres derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Atom, il a fait un film là-dessus. Enfin, je parle de Atom et Goyan. Enfin, les films qui ont été faits là-dessus. Après, on va pas être nos âmes, celles des Turcs, elles vont pas être tout d'un coup dégorgées de la douleur grâce à un film, mais ça peut être un premier film qui peut faire sauter la première vis du verrou dans les esprits. Alors d'autant plus que ce film est sorti en Turquie, il a été déjà projeté le mois dernier dans plusieurs villes de Turquie, notamment à Istanbul. Comment a-t-il été accueilli, Fatih Akin? This film has already been screened in Turkey, in Istanbul. How was it welcomed there? The most surprising thing, and somehow I expected that, or I hoped that, was how normal the film came out. You know, it was not hysteria, it was not a drama, I didn't have to go to court or to prison, you know. It came into the cinemas, like, every other film too, you know. It had good reviews and bad reviews. It had people who really liked the political approach or the idea of the film, and there were people who didn't like the idea of this film at all, you know, like the reactionary powers, you know. And it came out, it found a tiny audience, you know. It was not a big release. It was not like a blockbuster release. It was 24 copies in 5 cities, you know, 24 cinemas in whole Turkey. And there was not a censorship, you know. Somehow the government ignored the film. They were aware about the film. They watched the film and they said, okay, good luck with the film, you know. So... But there is a kind of like self-censorship in the folk, in the people, you know, in the cinema owners. So the reason why there were so little cinemas who showed the film was like other cinemas didn't want to show the film. So
But I have to look what I have, you know, 24 is better than nothing, oui. You know. Alors la chose la plus surprenante, c'était la normalité dans l'attitude. Il n'y a pas eu d'hystérie, il n'y a pas eu de procès. Alors certainement, il y a eu certes des critiques partagées sur le plan à la fois cinématographique ou sur le plan de l'histoire, c'est-à-dire du contenu du film. Alors ce n'était pas une grande distribution, que 24 salles dans toute la Turquie, donc ce n'est pas grand-chose. Mais moi, j'étais satisfait qu'il y ait eu ces 24 salles qui exposaient. Alors, il y a eu la censure ou l'autocensure des propriétaires des salles. Donc, il y a eu 24 propriétaires de salles de cinéma qui ont voulu accepter de diffuser, distribuer ou de projeter ce film. Alors, Simon, avec votre réaction justement sur la diffusion de ce film en Turquie? Parce que Fethi Akin vient de dire, bah, finalement, ça s'est bien passé. Alors, on rappelle quand même que Fethi Akin a fait l'objet de menaces de la part de groupes extrémistes avant la distribution du film, avant la sortie. Et finalement, le film sort en Turquie et ça se passe de façon normale. Moi, je pense vu le trauma qu'on a vécu et la solitude dans laquelle on a grandi de génération en génération, on va avoir de plus en plus de surprises quant à la société civile turque, une partie de la société civile turque, qui va vouloir mettre ce problème derrière lui. Ça va prendre du temps. Et ça, ce sont les premiers pas. Voilà. Et là, j'étais, pour l'anecdote, j'avais mon ami Antoine Agoudian qui était à Diyarbakir et qui m'a envoyé une photo de lui et ses amis kurdes et turcs devant le poster de Cut. Ils me l'ont envoyé comme ça. Et voilà, c'était très émouvant de voir que De Kat est montré à Diyarbakir. Effectivement, je le disais, c'est un événement très très symbolique que la sortie de ce film en 2015 et même à l'aube de 2015, puisque c'était le mois dernier en Turquie. Alors je le disais en préambule, nous sommes maintenant en ligne avec le producteur français du film, Francis Bosflug, qui est en ligne, en direct avec nous. Francis Bosflug, bonjour. Alors, je voulais tout d'abord vous demander comment votre société Pyramide a décidé de s'engager sur ce projet, plus particulièrement votre épouse Fabienne Vonnier, Francis Bosflug. On a des difficultés à vous entendre. Est-ce que vous nous entendez? Non. Nous n'avons pas de retour. Alors, bon. Nous allons reprendre dans un instant le direct avec Francis Bosflug. Ah oui, on vous entend. Très bien. Alors, il faut que je bouge de l'endroit où j'étais. Non, alors est-ce que vous aviez entendu ma question? Oui, absolument. Très bien. Absolument. Alors donc, quelle a été la motivation de votre société Pyramide? Alors d'abord, on n'est pas tout seul. C'est un film d'une telle ampleur qu'il a nécessité beaucoup de coproducteurs, j'allais dire, entre l'Allemagne, l'Italie, la France. Mais Pyramide Production, comme vous l'avez dit avec Fabienne Bonnier, mon épouse hélas maintenant décédée, on suit Fatih depuis déjà quelques temps. Et ce sujet nous paraissait absolument formidable. D'abord dans sa trilogie à lui qui est « L'amour, la mort et le diable », depuis De l'autre côté et The Cut venait absolument dans cette ligne-là, il fallait qu'on le fasse. Fatih a une excellente réputation en France et la France peut, grâce à la fois au CNC, à la fois aux partenaires comme les chaînes de télévision publiques, évidemment France 3 et Canal+, quand même aider à financer des films de cette ampleur-là. Ce sont évidemment des productions indépendantes au départ, et un sujet comme celui-là pour la France, c'était un sujet pour nous d'une grande évidence. Je sais qu'il a mis 7 ans à le mettre au point, mais avec Fabienne, pour nous, cette participation aux côtés de Fethi Akin était une évidence. Alors les risques, on les prend, on les assume. Le seul vrai dommage et drame de ce film, c'est que aussi bien Fabienne Vonnier que Karl Baumgartner, qui est l'autre partenaire de Pandora en Allemagne, n'ont hélas pas vu le film puisqu'ils sont décédés avant la fin. Effectivement, malheureusement. Donc ça, c'est quand même effectivement une figure à la fois importante en Allemagne et évidemment en France, et pas seulement
Personnellement, nous avons créé Pyramide en 1989 avec Louis oui, Malle. Pour soutenir depuis, des projets de ce type, hein, avec cette volonté, avec cette volonté d'accompagner des réalisateurs différents, j'ai envie de dire, bien sûr, justement. Bien sûr. Et nous avions aussi accompagné sur trois films Nuri Bilge Ceylan, qui est un réalisateur turc, mais nous accompagnons évidemment Aki Korismaki. Et Fatih fait partie de ces gens que l'on veut accompagner tout le temps jusqu'au bout, et c'est ce que nous allons faire encore dans le futur. Car au-delà du talent de Fatih, c'est aussi un homme extraordinairement fidèle et extrêmement agréable et intéressant à travailler. Donc essayer de se battre pour trouver des fonds et aider à la réalisation de sujets, c'est notre idée à Fabienne et à moi, et c'est l'idée de Pyramide, évidemment, de continuer ce travail-là. Alors Francis Bosslug, je posais la question tout à l'heure à Fatih Akin, est-ce que vous avez le sentiment que The Cut est un film politique? Écoutez, je dirais oui et non. Je dirais oui parce que le sujet méritait d'être abordé, et quand il nous en a parlé la première fois, bien sûr, moi je pensais à America, au film d'Elia Kazan, je pensais à ce que j'avais, et je me suis dit c'est vrai, ça fait bien mal de très très longtemps qu'on n'en parle pas, et c'est vrai qu'en 2015, ce centenaire et cette situation est un élément politique et historique important qui n'est pas négligeable. Mais en même temps, c'est une grande histoire. En fait, comme un road movie, en fait, on pourrait l'interpréter comme un road movie de la recherche de ce père à travers le monde, comme on l'avait eu dans La Déchirure, par exemple, où finalement l'histoire de cet homme qui traversait le pays au milieu de ces massacres pour retrouver une partie de sa famille, c'était d'une certaine façon raconter l'histoire. Et l'histoire au sens vraiment histoire du terme. Moi, je trouve que ce film a un apport et une histoire d'amour absolument formidable. Il ne faut pas le prendre simplement comme sur le génocide, car ça n'en est pas un, de toute façon. Mais je trouve qu'il a de multiples facettes, et je trouve que c'est ça ce que l'on voit au fur et à mesure de cet homme incarné par Tahar Rahim, qui a besoin de retrouver sa vérité et qui, bien entendu, est muet. Et ça, c'est une situation absolument formidable aussi du film, une idée que cet auteur a trouvée. Bien que sûr. Son héros soit, d'une certaine façon, muet pour raconter l'irracontable. Alors, je le disais, le film sort dans quelques jours, mercredi, dans les salles de cinéma en France. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pour la distribution du film? Ou ça se passe comme d'habitude? En France, on est quand même, d'abord, c'est pratiquement le seul pays au monde, même plus que les États-Unis, où la diversité peut encore un peu exister. C'est plus un problème de programmation technique dans les salles qui commencent maintenant à être effectivement un peu moins intéressées par ce type de cinéma qu'autre chose, mais ce n'est pas des difficultés, par exemple, d'ordre politique. Voyez, donc c'est juste l'encombrement des salles qui pourrait penser que c'est plus difficile à programmer aujourd'hui un film qu'un autre, mais le film sortira dans un peu plus d'une centaine de salles en France. C'est probablement le seul pays au monde où il va sortir sur cette combinaison. Mais est-ce que la promotion se fait aussi simplement? Est-ce que vous recevez un accueil comme vous avez l'habitude d'en recevoir sur les plateaux télé, pour les médias? Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout... Bon, une certaine difficulté à relayer ce film en France. Écoutez, j'espère que cela ne va pas se concrétiser, ce que vous êtes en train de dire, parce que je crois que TF1 a l'intention de nous accompagner demain à Marseille pour voir comment se déroulera cette avant-première avec la communauté arménienne à Marseille. Il y a effectivement des demandes de présence sur les plateaux, mais la plupart du temps, je pense que les journalistes de l'information vont normalement s'en saisir sur les différentes chaînes et en parler. Oui, de l'information. Oui, c'est important de faire la différence, en fait. C'est ça que vous voulez dire. C'est que c'est plus un sujet de société ou d'histoire que un film qui pourrait intéresser les critiques cinématographiques. Je pense les deux. Oui, bien sûr. La question de la critique cinématographique en France, je veux dire, elle est totalement libre. Elle peut aimer ou pas aimer le film. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le trouvent moins bien que d'autres films, surtout quand un auteur comme Fatih a fait des films particulièrement forts précédemment. Ça, c'est la règle du jeu. Par contre, un sujet comme celui-là étant tellement hors norme, que normalement, effectivement, l'autre partie du journalisme, c'est-à-dire celui qui doit s'occuper de l'actualité et de l'importance des sujets racontés, lui, par contre, a une opportunité comme il n'en aura peut-être pas souvent. C'est ça, donc ça touche en fait plusieurs publics dans le monde des médias, comme Fatih Akin cherche à le faire aussi à travers ce personnage et son scénario,
toucher plusieurs groupes et donner plusieurs facettes à cette histoire. Vous l'avez dit, c'est à la fois un film engagé, mais aussi qui raconte l'histoire d'un homme, avant tout, hein, à la recherche de ses filles. Donc, une part très humaniste. C'est du cinéma. C'est, oui, du cinéma. C'est du cinéma, bien sûr. Un cinéma humaniste. Vous savez, Fatih avait déjà raconté dans un film qui n'est pas très connu, parce que je ne sais pas s'il a connu une distribution en France, qui s'appelait L'Engrenage, un de ses premiers films. Et en fait, c'était l'histoire d'un Turc, d'un Serbe et d'un Grec, vous voyez, qui se retrouvaient à Hambourg. Il avait déjà, d'une certaine façon, et il continue à avoir sur ses différents films, cette rencontre entre ces différentes communautés qui sont censées s'affronter et qui, en fait, se retrouvent. Là, le sujet est un sujet effectivement grave, en particulier, évidemment, dénoncé dans certains endroits et pas dans d'autres. Donc, c'est très important que les gens en France le savent, mais c'est toujours mieux de le redire, effectivement, que ce génocide devrait effectivement être dénoncé absolument par tout le monde, et y compris par la communauté, évidemment, au-delà de la communauté arménienne, par l'ensemble de la France. Je crois que c'est fait en France, mais il me semble qu'il y a quand même quelques pays, et la Turquie devrait donner peut-être l'exemple en 2015. Mais c'est peut-être un vœu pieux. Merci Francis Bosluc. Je rappelle donc que vous êtes le président de Pyramide, qui a coproduit donc pour la France le film de Cut avec votre épouse Fabienne Vonnier. Et on vous remercie de cet engagement et d'avoir accompagné ce film et puis d'avoir été aussi présent sur l'antenne d'APFM ce matin. Merci. Merci à vous et merci à Fatih. Et longue vie au film. Alors, je me retourne vers vous, Simon Apierian, sur cet aspect de la promotion. Vous êtes un acteur très connu en France. On imagine que lorsque vous apparaissez à l'écran dans un film qui va sortir, vous pouvez être sollicité. Est-ce que là, pour le Cut, il y a la même approche que pour vos autres réalisations? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine retenue compte tenu du sujet, ou c'est des idées qu'on peut se faire nous sur au sein de la communauté? Parce qu'on s'inquiète en fait de savoir comment le film va être accueilli par les critiques et la presse. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que les critiques français, d'abord, c'est Tahar qui porte le film. Mais parce que j'ai pas donné la distribution. Non, mais c'est Tahar Rahim qui porte le film. Tahar Rahim qui joue le rôle de Nazareth, ouais. Et qui est donc le personnage central, le bloc sur lequel tout repose. Hein. Et donc, en règle générale, les médias, ils appellent la personne ou les personnes qui portent le film. Bon, je pense que Tahar va être sollicité par la presse. Et je ne pense pas qu'il y ait aucune espèce de retenue de la part de la presse française en ce qui concerne la critique. Pour discuter de ce film, je pense pas, non. Je pense que de ce côté-là, tout va bien. Alors, lorsque le film a été présenté au Festival de Venise, de la Mostra de Venise, on donnait ce film un peu gagnant pour le Lion d'Or, au moins un prix, et vous êtes rentré sans aucun prix. Est-ce qu'on doit y voir un peu des pressions de la Turquie? Est-ce qu'il y aurait eu des actions menées pour que vous ne soyez pas récompensé? Qu'est-ce que vous en pensez? When the film was projected in Venice, we were expecting that, and it was said that this film worked an award, but you didn't get any award there. Can you say, or can we say that there had been any pressures from the Turkish side? Maybe think about such scenarios or possibilities. No, I don't believe that. No, I don't believe it. And I think I even could, if you give me 2 or 3 weeks, I could prove it that is not the case. You know, it's listen, to get an award is not the most important thing for a film. The most important thing for a film is finding an audience. You know, this is the best award. If an award helped the film to get an audience, you know, that means that you are very lucky. But, you know, it's a combination of luck. You know, awards were given by juries. There are certain juries. And if you're a filmmaker and you have a film in competition, it can be the right day for the right 7 or 8 people which are chosen, you know, and your film could make them the day of them. But it could be also the opposite, you know. They could have
eaten a very bad breakfast, you know, with old eggs or something, and they feel all very bad, all the seven jury members, and they see the film and say, okay, this is not an award film. I don't know. Awards are really like a lucky thing to get or not to get, you know. And I am a filmmaker which has grown up in this award circus, in this film festival circus. I had a lot of luck with my films before. With each film, I try something else. I try something new. You know, I want to challenge myself. I'm not interested in confirm a certain style and repeat it again and again. And sometimes a jury can react enthusiastically and sometimes not, you know. So you have so often the case that films get an award, a very high award, the Golden Palm in Cannes, maybe, you know, and nobody sees these films, nobody, you know. And then on the other hand, a film gets no award and it can be the best film. 1 year, I remember, I was in competition with L'Autre Côté in Cannes with the Coen Brothers film No Country for Old Men. I think it's the best Coen Brothers films ever. The film got no award. Right. So I got an award for best screenplay, but the Coen not, you know. Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu des pressions à Venise, et si vous me donnez 2-3 semaines de plus, je pourrais vous le prouver, mais en tout cas, le plus important, c'est pas d'avoir un prix, c'est de trouver le public, son public. Et c'est vrai que un jury de 7-8 personnes ne peut pas peut décider n'importe quoi pour vous selon son humeur. Et donc, si ça dépend de son humeur, avec un bon petit déjeuner, peut-être en ayant une journée agréable, ils peuvent être positif vis-à-vis de votre film. En tout cas, c'est quelque part une question de chance, l'histoire des prix. J'ai grandi dans ces festivals avec beaucoup de prix, vous le savez, et à chaque fois, j'essaye de me surpasser et présenter autre chose. Et là, la réaction peut être différente parce que je ne représente pas le même style que j'avais présenté précédemment. Donc, voilà, un film peut avoir des prix, mais pas trouver de public, et le contraire est aussi vrai. Bien sûr, il y a des films qui ont eu de récompenses très, très importantes et qui n'ont pas été vus ensuite par le public, et l'inverse est également vrai. Sur cette question des récompenses, Simon Perriand, vous êtes aussi un comédien qui a été récompensé. Est-ce que pour vous, on peut y voir le signe de, voilà, d'un désintérêt ou non? Il faut effectivement suivre cette logique, ça ne veut rien dire pense en pas. Fait. Vous savez, il y a des gens qui font des films spéciaux pour les festivals. Il y a une catégorie dont je parle. Formaté. C'est ça que vous voulez dire? Ça existe aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, moi, je vais aller à Cannes, je veux la Palme d'Or. Et c'est vrai qu'après, il y a des cinéastes qui font des films pour les gens. Et si, au passage, vous prenez un prix parce que vous avez fait un film pour des gens, tant mieux. Mais si on commence à... Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est très aléatoire. Quand on me donne un prix parce que je suis meilleur acteur, c'était meilleur acteur à ce moment-là, avec cette pièce-là, parce que j'ai rencontré un auteur, une metteuse en scène, et ça a fait que la pièce était extraordinaire. Mais c'était cette année-là. Et cette année-là, il y a des gens... Parce que ça se mesure pas, ça. C'est quoi la mesure du talent? Difficile. C'est difficile. Effectivement. Et de l'autre côté, on peut faire un film qui fait 20 millions d'entrées, et tout d'un coup, on donne le prix à l'actrice ou à l'acteur qui a bossé dedans, parce qu'il a fait 20 millions d'entrées. Donc tout cela est très très aléatoire, parce que les votants sont choisis par qui, le jury est choisi par qui, et constitué par qui. C'est comme si vous jugez un noir aux États-Unis et que dans le jury, il n'y a que des blancs. Donc voilà, tout ça est très aléatoire. Oui, une question d'alchimie aussi. Mais après, il ne faut pas chercher de circonstances atténuantes sous le prétexte qu'on n'a pas eu de prix. Quand on a un prix, il faut célébrer, et quand on n'en a pas, il faut dire, on avance. Et surtout, on voit ce que ça donne avec le public. Parce que c'est quand même ça la priorité. Mais c'est pour ça qu'on fait des films, pour que les gens le voient, pour que le plus grand nombre le voit. Donc là, évidemment, le plus grand nombre, c'est dès mercredi, dans les salles. On l'a déjà dit depuis le début de cette émission. Le film sort, donc Francis Bosselug le disait tout à l'heure, dans une centaine de salles en France. Donc on espère que le film va connaître dès les premiers jours la fréquentation nécessaire à son maintien pour les 15 jours qui suivent, les 3 semaines, et que le film va rester à l'affiche le plus longtemps possible. Donc je voudrais maintenant revenir un petit peu
à la symbolique, à certaines des symboliques de ce film. Je vous laisse traduire, Valtan. So this film will be in about 100 movie theaters in France, and it will be in theaters on January 14th. And now I would like to talk about some symbols that are included in this film. Donc on le disait tout à l'heure avec Francis Bosslug, le héros Nazareth perd l'usage de la parole au début du film pratiquement, et c'est le tour de force de votre réalisation, Fatih Akin, d'avoir un héros qui ne parle pas. Alors ce silence, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Qu'est-ce que vous avez voulu traduire par le silence de votre héros? So this is the history of a father that loses his capacity of talking. What's the sense, the meaning of the silence for you in this film? That has a very simple and basic political symbol in a way. Is you know, for many, many years, for I would say 90 years, you couldn't talk about the genocide in Turkey. I'm talking about Turks, you know, the Turk society. You know, there was no freedom of speech about the genocide. You couldn't say what you think easily, you know. You get attacked, you get hurt, you get insulted, you get killed like Hrant, you know, which is not so long ago. Hrant was killed 7 years ago, 8 years ago now. He was killed in 2007, 19th of January. So there was a time where you couldn't talk about these things, and I thought, like, the best symbol is for that, and this is one of the purpose why I did the films. Like, everybody should talk about everything. Talking doesn't have to kill or hurt, or discussion, communication is a basic thing in this matter of the genocide. Talking, you know, so we couldn't talk about that, and I tried to find a picture for that. That's why I decided to. To make the hero mute. Une très belle image. Donc pour moi, c'est ce silence est un symbole simple et basique, mais c'est un symbole politique parce que pendant 90 ans, on ne pouvait pas parler en Turquie de ce sujet, donc le génocide. On serait insulté, attaqué, voire assassiné, comme ça a été le cas de Hrant il y a 8 ans. Alors pour moi, tout le monde doit pouvoir parler de tout. Surtout, on doit pouvoir parler de cette question liée au génocide arménien. Alors Simon Abkarian, sur ce silence du héros, parce que certains qui ont déjà vu le film en avant-première estiment que ce n'est pas un film sur le génocide, que c'est avant tout l'histoire d'un père, alors que le point de départ de l'histoire, ce sont les événements de 1915, et que ces filles échappent à la mort alors qu'elles ont été déportées, et qu'il y a tous les visages des exactions commises pendant le génocide qui sont présents dans ce film. Tout y est pratiquement, de l'enlèvement des femmes aux bébés jetés dans les puits. Enfin, vraiment, Fatih Akin a fait un travail de recherche très approfondi qu'il a réussi à mettre en image. Est-ce que justement, ce silence du héros, c'est pas vraiment le signe du film qui parle du génocide? Alors, parler avec le silence, mais c'est bien la signature, c'est bien ce film qui, ce silence, je veux dire, qui dit c'est un film sur le génocide. Ouais. Mais pour moi, ce qui est très fort dans l'histoire, c'est que justement, c'est comment on arrive à exister, à continuer à vivre et à vibrer sans parler. Parce qu'on a fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait de la parole le signe manifeste d'une reconnaissance ou non. Et c'est pas parce qu'on le dit pas qu'on reconnaît pas. Parce que ne pas dire, c'est se taire. C'est ne pas pouvoir parler jusqu'au moment où on doit le faire. Parce qu'on ne peut pas se taire éternellement, sachant qu'on a l'usage de la parole qui ne demande qu'à revenir. Et d'abord, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que le ressort dramatique du film, c'est cet homme face à son silence, face à son incapacité de parler, mais habité par... La première chose qu'il va redire, c'est quelque chose de, moi, ça m'a cassé en deux quand j'ai vu la fin du film. Et c'est ça qui est très beau. C'est d'abord un ressort cinématographique très intelligent, très simple, oui, qui nous emporte complètement parce qu'on essaye de voir à travers les yeux de Tahar ce qui se passe à l'intérieur de lui. Pas, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui se passe dehors parce qu'on le voit dehors. Ce qui nous intéresse dans son silence, c'est de voir ce qui se passe en lui.
Donc un homme qui a survécu qui va traverser les années qui suivent le génocide. Le type, il va jusqu'à Cuba, jusqu'au bout. Mais il serait allé jusque sur la Lune pour chercher ses filles. Il y serait allé. Donc une histoire unique, mais qui est une histoire universelle, c'est-à-dire l'histoire de beaucoup de survivants, mais aussi qui parle... C'est en train de se passer en ce moment, en Irak, c'est en train de se passer, c'est en train de se passer, malheureusement, c'est en train de se repasser. Donc, non, juste je voulais dire, c'est que cette chose-là n'est pas l'apanage d'un peuple donné, ni du côté de la souffrance, ni du côté de la folie meurtrière. C'est quelque chose de répandu chez les humains, malheureusement. Bon, dans cette région du monde, hein. Et c'est ce qui en fait un film universel qui peut parler à tout le monde, qui était la démarche première de Fatih Akin. Alors, Fatih Akin, dans les recherches que vous avez menées pour réaliser ce film, est-ce que vous avez également effectué des recherches sur vous, sur votre famille, sur votre histoire? Vous venez, votre famille de Trébizonde, je crois. Et est-ce que vous avez essayé de voir si, vous aussi, vous n'aviez pas, comme Fethi Çetin, par exemple, une grand-mère arménienne? While making researches to prepare this film, did you have the occasion, the possibility to make research on your own family in order to see if maybe you have, you are from Armenian descent, your grandparents had been Armenian somewhere? Maybe they are, but you know, our family books, you know, and our past, I think, is so forgotten, and nobody took care in my family. Nobody wrote something down in my family. They're all lazy people, you know. They're like fishermen. People died very early. I never had the chance to speak with my grandparents about these things. You know, my the parents of the mother of my father died when my father was 12. The father of my father died when I was 4. That was too little to get about genocide. And hey, granddaddy, how did it happen? I wish he would be alive now, and so I could ask him, you know. And the same with my mother's side. The father of my mother died when my mother was 12. And her mother died when I was 12, so I really couldn't have these sources to research, you know. I met somebody in Trabzon where my grandfather is from, the father of my father, a village from Trabzon. And we found out that they were living until 1915, 88 Armenian families in the three villages of where my family is from, you know. So yeah, it's possible. I see some faces, you know, in Trabzon. I spend a lot of time in the village of my grandfather because I made a documentary there. I made this film, Polluting Paradise. It was a film about environment, you know, a documentary. So I spent 5 years in the village of my grandfather, and I saw a lot of faces, and the physiognomy of the faces, I had work already on the cut. You know, the faces of these people, they looked quite Armenian, of some people there, you know. So it's possible, but it's for me, I think, I don't have a real access to find it out. Alors probablement, il y a des Arméniens dans ma famille. Peut-être. Donc notre passé est tellement oublié dans notre famille, personne n'a écrit, personne n'a laissé de vraies traces. Les hommes sont morts très tôt. Alors donc j'ai pas pu leur parler à mes grands-parents parce que j'avais 4 ans ou 12 ans quand mes grands-parents côté paternel sont morts. 12 ans, ma mère avait 12 ans quand ses parents sont morts. Donc moi j'ai pas eu accès à ces discussions avec les grands-parents. Mais par contre, en allant en Trébizonde, en faisant un documentaire aussi dans cette région, j'ai rencontré quelqu'un d'où nous venions, et il m'a raconté qu'il y avait là 88 familles arméniennes. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je vois là-bas des visages qui m'interpellent dans le village de mon grand-père, et je vois qu'ils ressemblent à des Arméniens. Donc, peut-être. Peut-être. Peut-être, maybe. Maybe not, who knows, you know.
Alors, vous disiez donc que votre grand-père était de Trébizonde. Et lorsque j'ai eu la chance de vous rencontrer à la présentation du film, vous expliquiez que Raquel Dink, la veuve de Hrant Dink, vous a dit « Celui qui a tué mon mari venait de Trébizonde et celui qui me redonne de la joie » vient aussi quelque part de Trébizonde. C'est intéressant de voir qu'il y a ce parallèle comme ça entre, d'un côté, un homme qui veut tuer celui qui veut parler des Arméniens, et de l'autre, eh bien, votre famille, à vous, qui a donné naissance à ce réalisateur que vous êtes devenu et qui porte le génocide arménien sur les écrans du monde entier. Your grandparents, you said it, are from Trébizonde, so Raquel Dink, the wife of Hrant Dink said once that the person who killed Hrant was from Trebizond, who brought sorrow to our family. And from another side, a guy who gives us joy also comes from Trebizond, which is you. So, yeah, there are good people and bad people everywhere. This is, I think, what she was expressing with that. You know, that it's not a matter if you are Armenian or Turkish. I mean, you know, if you're German or Jewish, you. There are good people and bad people everywhere. You know, this is the thing. This is what she was telling me with that. You know, it was very special that how the Dink family reacted to the film. It is the best thing how they really reacted. You know, I met Delal Dink, the daughter of Hrant, and she was in the premiere in Turkey. And she was so moved just by the fact that it's 2014, the end of 2014. She sits in a cinema in Nishantashi, which is a neighborhood in Istanbul, and she sits in a normal cinema with normal people, and she's able to watch the film. She was very moved by that, and she was very thankful for that. And because Hrant was a strong motivation for me to do the film, without Hrant, I wouldn't have done the film. This is a fact, you know. So because of that, I'm very happy that the Dink family is so pleased and I don't know, happy with the film. Alors, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais partout dans toutes les ethnies, chez les Allemands ou les Juifs, chez les Turcs ou chez les Arméniens. Mais ce qui m'a réjoui, c'est de voir Raquel Dink dans le quartier de Nishantashi venir voir ce film. Elle a été émue par le fait de voir ce film. Et pour moi, c'est une joie de la voir, d'apprécier, de venir apprécier mon film. Simon Abkarian, sur cette c'est effectivement un hasard sans doute hein, que Fatih Akin soit originaire de Trébizonde comme l'était Ogun Samast, mais le parallèle qu'a dressé Raquel Dink n'est pas fortuit. Qu'est-ce que vous en pensez qu'une même ville puisse donner naissance à des extrémistes négationnistes et qu'elle puisse aussi être le berceau d'hommes qui réfléchissent et qui s'éveillent? Un même ventre peut donner naissance à un démon et à un ange, c'est, enfin, à un assassin ou un monde, on ne sait pas. C'est juste pour dire que l'idée qu'on peut se faire de la Turquie et qu'on s'est faite pendant un certain nombre d'années à juste titre d'ailleurs, parce que il y a personne qui parlait de nous. Et tout d'un coup, on se rend compte que non. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça. C'est que tout d'un coup, il y a des gens qui se lèvent en Turquie, qui parlent de nous, qui font des films. Mais pas seulement pour nous. Ils le font aussi pour eux. Et surtout pour eux. Et donc, je trouve que de la terre peut surgir un arbre nourricier, comme il peut surgir du poison. Donc, mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est pas une histoire propre aux Turcs. C'est ça que je veux dire. C'est important de le dire. Parce qu'à partir du moment où y a des voix qui s'élèvent et des mains qui se tendent, il faut pouvoir les entendre et les saisir. Alors mercredi, The Cut sera sur les écrans dans une centaine de salles en France. The Cut est traduit en France par la blessure, qui peut aussi en français se dire autrement. On pourrait dire la coupure, la fracture, voire la déchirure. Une multiplication de sens
qui donne encore plus de profondeur à ce mot de cut. Est-ce que, en anglais, vous aviez aussi l'idée de multiplier comme ça les sens de ce mot pour dire beaucoup de choses avant même qu'on voit le film? In France, the translation of the cut, la blessure, the word has many different significations and senses. So, did you, in the English version of the film, of the title, had this problematic of having different senses of one word? I think the cut has different meanings, mm-hmm. multi-level meanings for me. That and it was short, so I could, I don't know, express everything what I wanted to express with these three letters. I was in Yerevan, I was at the memorial up the hill, and I was there. Haik Demolyan was the director of the memorial, was guiding me. Mm-hmm. And there is this statue, this monument with this tree, and the tree is divided into two, you know, by an X, you know. And I asked Demolyan, what does it mean? And he said, the tree is the Armenian folk, mm-hmm. you know. The X is the genocide, which killed the folk into two, those who stayed here and those who left, you know. So the X cut the tree. I was like, yeah, it's the cut, it's a good... How would I express this in one word, the cut? And then I think at that time I had the idea to call the film The Cut. Alors je pense que le mot de cut, même en anglais, a plusieurs sens, plusieurs significations. Et quand j'étais à Yerevan au mémorial du génocide, avec des moyens, le directeur de l'Institut du génocide là-bas, il m'a montré un arbre qui était coupé en deux par une hache. Et donc quand il m'a dit en anglais, en m'expliquant que c'est... Le peuple arménien. C'est le peuple arménien et ça c'est le meurtre, c'est l'assassinat, c'est le crime, c'est le génocide qui a coupé donc ce peuple. Là j'ai compris, has cut these people, so le mot cut, coupé, portait tous ces sens-là à la fois. Alors. There was another idea, you know. It was when I was in Los Angeles and driving through Little Armenia, there's on the main boulevard, which goes through Little Armenia and Little Tokyo and all that, there is this, there's a graffiti on the wall, you know, and there's an arm which is cut and says 1915, our wounds are still open, this graffiti. And I said, yeah, we should call the film Open Wounds, maybe, you know, but Open Wounds doesn't sound, I don't know, so remarkable as the cut, you know, it's like shorter, yeah. Alors, il y avait aussi une autre idée. Quand j'étais à Los Angeles, il y avait dans ces quartiers arméniens un graphisme sur un mur qui montrait une blessure qui saignait. Toujours ouverte. Oui. Voilà donc et qui me donnait l'idée de parler. What was the title? Les blessures ouvertes. Our wounds are still open. Les blessures sont encore ouvertes. Mm. Donc ça pourrait me donner une autre idée, mais finalement c'était de cut. Oui, parce que les blessures ouvertes c'était peut-être un peu trop lourd, mais de cut effectivement c'est un titre très percutant qui déjà en lui-même contient toute l'essence de ce film. Simon Abkarian, on pouvait pas rêver mieux, j'ai envie de dire, comme titre. Trois lettres de cut pour dire tout ce qu'il y a dans ce film. Non. Et tout ce que représente le génocide de cut. Il y a un titre, c'est toujours très important. Mm-hmm. Ou d'un point de vue, enfin bon, il ne faut pas non plus oublier qu'on fait partie, on obéit aux lois du marché. Et en même temps, c'est vrai ce que dit Fatih, c'est-à-dire que comment résumer ça en un mot, mais pas résumer le génocide seulement, résumer aussi l'histoire du gars, quoi. Bien sûr. Et c'est drôle parce que the cut en turc c'est attention. Et même the cut, yes. Il y a toujours des sens. C'est drôle quoi. Il y a pas. C'est comme un nom. C'est comme un prénom. C'est-à-dire quand un auteur donne le nom de Nazareth à Nazareth, c'est pas innocent. Nazareth, c'est pas innocent. Les prénoms, c'est jamais innocent. Bien sûr. Shakespeare, il fait toujours, je suis pas un exégète de Shakespeare, mais le peu que j'en sais, c'est que quand on choisit, quand on baptise quelqu'un, qu'on dit mon fils va s'appeler Garabet ou va s'appeler Mehmet ou qu'on soit turc ou, hein,
ça porte, on porte le nom de quelqu'un. Donc ce titre, il porte quelque chose aussi. C'est, on baptise un film. Voilà. Alors, well, I like the French title of the film a lot. La blessure. Ouais. La blessure avec Tarahim. That's nice. Ouais. I like that. Yes. Quand Simon apprend rien. You know, I like that, you know. J'aime bien ça, le titre en français, La blessure avec Simon Apkarian, avec Tarahim. Oui, effectivement, le son, la blessure vous plaît à l'oreille et en français, The Cut passe aussi très bien. Donc les deux s'assemblent parfaitement pour donner un avant-goût du film et c'est ça qui est important. Alors, une très belle affiche également. On ne va pas déflorer hein, le sujet parce qu'effectivement, bon, on a déjà tout dit, c'est un père qui survit et qui part à la recherche de ses filles. Ce serait simpliste hein, de le dire en quelques mots. On ne peut pas non plus rentrer dans les détails parce que il y a de nombreuses scènes très très importantes qui sont bouleversantes et qui accompagnent comme ça le héros tout au long de son périple. Donc, je le disais au début, un voyage intérieur pour cet homme qui va renaître, retrouver la parole au terme d'un voyage qu'on imagine très difficile, mais qui est, voilà, maintenu en vie par l'idée qu'il va revoir ses filles et on l'accompagne comme ça, on souffre avec lui pendant tout le film. 1h35, 1h40 de suspense parce qu'on ne sait vraiment pas comment, on n'imagine pas comment le film va se terminer. À aucun moment on peut le deviner. Artan. So we're not going to go through this the story of this film before the screening date, but along this 1 hour and 30 minutes, we don't know what will be the final issue, and this will be not be known until the film is over. Et c'est ça qui est important aussi dans ce suspense, parce que vous gardez comme ça le public là qui vibre, qui souffre avec ce père, et c'est ça qui donne ce côté sans doute très universel à votre film. You keep the public share the suffering of this father until the end of the film. That, a good film should do that. Huh? That you know the audience participate with the hero. If you success that, then it could, it's a strong film. Then you know, and if not, then not. You know, it's a strong film. Thank you. Un bon film devrait pouvoir le faire, c'est-à-dire faire partager au public la souffrance, en tout cas. La vie de film, les sentiments qui sont dans le film. Alors, si je l'ai réussi, c'est que c'est un beau film. C'est effectivement le cas. Alors, on va laisser nos auditeurs découvrir The Cut, La blessure, dès mercredi, dans les salles. Pour conclure, je vais vous donner la parole une dernière fois, Simon Apkarian, et vous demandez ben, peut-être vos dernières impressions sur ce film avant de le laisser vivre maintenant auprès du public. Moi, j'ai été très touché d'abord de le faire, d'abord de rencontrer Patty sur le film, de rencontrer toute l'équipe, enfin, parce que c'est une famille qui travaille, enfin, c'est une équipe vraiment de producteurs et de gens qui fabriquent le film avec Patty. J'étais très content de les rencontrer parce que c'est quelqu'un de fidèle, Patty, et puis. À voir le film, ça m'a ému, ça m'a beaucoup touché, quoi. Et je suis fier. Enfin, j'aime pas tellement le mot fier, parce qu'il est, souvent mal utilisé d'un point de vue nationaliste, dire je suis fier d'être machin de machin. Mais en tant qu'artiste, je suis fier de faire partie de cette histoire, vraiment. C'était important pour moi de le faire. C'était même vital pour moi de le faire. Je peux dire, j'en ai fait partie. J'y étais. Ouais. Merci, Simon Apkarian. Fatih Akin, en conclusion, ce film maintenant va vivre sa vie de film. Dans quelques jours, nos auditeurs vont pouvoir se précipiter dans les salles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion aujourd'hui, à quelques jours de la sortie du film? Your conclusion, please, days before the screening of the film in France. The film doesn't belong to me anymore. It's not my film anymore. It's now the film of the audience, your film, French audience, you know. I wish that the film will reach a lot of hearts, you know, a lot of minds, and that the film helps to reflect, you know, and this is a French film. It has French actors in it. I have a French producer. France was always
I had always a good audience, treated me always well, and I think it will be go on with this film. I hope. Donc le film ne m'appartient plus désormais, et j'espère que ce film ouvrira beaucoup les esprits du public, de ceux qui vont le voir. En tout cas, c'est un film français, les acteurs sont français, le producteur est français, et la France, moi j'ai toujours reçu un traitement de faveur, en tout cas un bon accueil, j'ai eu un bon accueil en France, donc voilà. Je voudrais quand même préciser qu'effectivement, les acteurs sont français, enfin ce film est une coproduction française, italienne et je ne me souviens plus de quel pays, France, Italie. Français, italien, allemand, Turquie, Pologne, Russie, Canada, oui. Mais pendant toute la partie du film où Nazareth n'a pas encore perdu la parole, eh bien on entend tout le monde parler en arménien dans ce film. Et lorsque vous-même, Simon Abkarian, vous rencontrez Nazareth alors que lui-même est déjà muet, vous lui parlez en arménien, et je crois qu'il faut quand même le dire à nos auditeurs dès aujourd'hui, ils vont vraiment vivre un moment d'émotion intense, parce qu'ils vont voir un film réalisé par Fatih Akin, un cinéaste reconnu internationalement, avec des comédiens de premier plan qui s'expriment en arménien, et ça, c'est extraordinaire, et ça, c'est à vous qu'on le doit, et vraiment, un grand, grand merci pour ça aussi, Fatih Akin. Merci beaucoup, et de rien. Au revoir. Alors, rendez-vous mercredi dans les salles pour The Cut, film de Fatih Akin, avec, dans le rôle principal, Tahar Rahim. On n'a pas donné toute la distribution, on a parlé beaucoup de vous, Simon Abkarian, mais bon, là c'est du parti pris. Il faut aller voir Tahar, il est vraiment très beau dans le film. Mais effectivement, tous les acteurs sont extraordinaires, une réalisation extraordinaire et qui, je le disais, ouvre l'année 2015 de façon très symbolique et très puissante. Encore merci, Fatih Akin. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Au revoir. Si. Merci, au revoir. Հայեցեք, գրումը։ Եթե գրում դեսնես, մեծ ճամպորդություն մը նեսվիդի։ Որքուրը սա, որ զեյթունի ամեն դղամարդիկը անհետացեր են։ Անի բզդիկները մի վաղցներ։ Բայց իրավ է։ Երլեն, հայլի, չումի շտիտա։ Հայլի։ Բունարը բիբին Çekilin lan! Kurşun harcamadan! تحكي عربي؟ احكي. ابوس روحك خيو، مين عمل فيك هيك؟ كيدك ذيرا بروغنير ايد كانال شات شغان ايستيغ. سن ايليني بولجاني مي سانيوسون؟ Աղջիկները գիտես, որ ողջ են։ Այս մարդը իր աղջիկները պետք է գտնի անպայման։ Ասոնք ձեր աղջիկներն են։ Կսեթե ձեր դուստերը կողջ են աշխատիր հիմա։ Աստուծո չեք հավատար։ Արտանցիր, բաբա, վերիր։ Հիշեցեք, ով որ խնդրեքը ստանա, ով որ պնդրեքը գտնի։ Proposée par Hype FM.